La commission scolaire de Montréal qui a décidé de fermer ses portes le 27 septembre pour permettre aux élèves et aux professeurs de manifester pour le climat. Une décision qui déplaît au premier ministre Legault. On l'écoute. D'abord, je trouve ça malheureux que la décision se prenne à la dernière minute. Là, on a des parents à Montréal qui se font dire vendredi prochain, là, organisez-vous avec vos enfants, il n'y aura pas d'école. Donc, je trouve ça pas mal à la dernière minute. Maintenant, les journées pédagogiques, c'est le choix de la commission scolaire. Oublions pas, par contre, les journées pédagogiques, c'est pas des journées de congé pour les enseignants. Il y a de la formation, puis moi, je m'attends à ce que la commission scolaire de Montréal s'assure que les enseignants travaillent vendredi prochain. Bon, réaction, les ex, qu'est-ce que vous en pensez de la décision de la CSDM? Écoutez, il n'y a rien de simple dans une situation comme celle-ci, mais je pense quand même que, somme toute, c'est une décision qui est acceptable, étant donné... Il faut d'abord comprendre que Greta Thunberg, elle a été connue... Julie, pour les grèves de l'école pour le climat, hein, ces fameux Friday for Future, ouais, là, ouais. Les vendredis pour l'avenir. Alors, c'est la venue de Greta Thunberg au Québec, c'était aussi signe de levée de cours, peut-être pour les gens de son âge. Rappelez-vous qu'elle a commencé à 15 ans, là, c'est pas une sommité qui est dans le domaine depuis déjà une cinquantaine d'années. Alors, elle parle à un public qui est en classe et cette situation était prévisible d'avance, même si pour M. Legault, elle semble arriver peut-être à la dernière minute. Êtes-vous d'accord avec M. Legault quand il dit « Bon, d'accord, là, on a pris un peu de cours, mais les professeurs, vous allez être à l'école, vous ne serez pas dans les rues. » Ah bien là, ça, par contre, pour ce qui est des enseignants et de leurs négociations de travail avec les commissions scolaires, je laisse ça entre eux. Je pense que c'est bon que les jeunes puissent aller s'impliquer sur des questions qui touchent la société. On le fait beaucoup pour le sport, on le fait pour... Okay. La